La guerre a été un facteur déterminant dans l'histoire de l'humanité. Au fil des siècles, nous avons célébré les grandes victoires militaires. Mais l'histoire a aussi été façonnée par les grandes erreurs militaires. Les erreurs sont inévitables dans le chaos de la guerre. Mais parfois, ces bourdes défient la raison. Est-ce un plan trop téméraire qui condamna les hommes à la mort? Une technologie qui s'avéra désastreuse? L'interférence des hommes politiques? Ou le coup de folie d'un haut gradé? Dans cette série, nous allons explorer un millénaire de lutte armée et voyager sur quatre continents pour découvrir ce qui provoqua certaines de ces erreurs qui ont le plus marqué l'humanité. Cette ère mémorable se rattachera à ma personne. Parce qu'après tout, j'ai fait briller le flambeau, consacré les principes, et qu'aujourd'hui, la persécution achève de m'en rendre le messie. Napoléon Bonaparte. L'empereur Napoléon Ier fut l'un des plus grands chefs militaires de tous les temps. Un général d'exception, un meneur d'hommes hors du commun. Mais surtout, un chef ayant une confiance sans borne en son talent. Aujourd'hui encore, il sert de modèle à tous les futurs commandants. Un de ces jeunes officiers de l'Académie militaire de Sandhurst connaîtra peut-être un jour la célébrité. Pour cela, il lui faudra un grand talent, mais aussi une personnalité considérée comme hautement indésirable dans toute autre profession. Every profession. Toute profession a son lot de ceux qui aiment la flagornerie, qui sont vaniteux et gonflés de leur importance. Mais toutes les professions n'offrent pas la possibilité de voir ces qualités se transformer en vertus. Dans l'armée, en revanche, au bon endroit et au bon moment, ces mêmes défauts peuvent devenir des qualités énormes. Car elles font partie du sens de la mise en scène dont un général a besoin pour pousser les autres à l'accompagner. Arrogance, ambition, vanité, autant de qualités chez un grand général. Mais ce sont aussi les germes de sa destruction. Idéalisé par ses hommes, enivré par la victoire, il croit de plus en plus à sa propre infaillibilité. Et ces qualités qui l'ont mené au succès peuvent dès lors le conduire à sa perte. Personne n'illustre mieux ce paradoxe que Napoléon. En 1812, il envahit la Russie avec les funestes conséquences que l'on sait. Napoléon fut le plus grand soldat de notre âge, un véritable héros. Mais il est allé trop loin, poussé par son arrogance et par sa conviction de pouvoir cracher à la face des dieux. C'est ce qui a causé sa perte. Il a entraîné beaucoup de gens avec lui. Et il a valeur de leçon pour tout général. Devenir un héros comporte de grands dangers. Début septembre 1944, trois mois après le débarquement. Au quartier général de campagne du général Montgomery, en France, on peint le portrait destiné à immortaliser son génie militaire. Jusqu'ici, la certitude d'en savoir plus que quiconque a bien servi Montgomery. Mais dans les 17 jours qui vont suivre, tandis que le tableau se précise et que l'admiration que suscite son commandement atteint son paroxysme, cette certitude va lui faire commettre une des plus grosses bêtises de la Deuxième Guerre mondiale. Deux ans plus tôt, l'obscur général Bernard Montgomery avait été promu commandant de la 8e armée en Afrique du Nord, uniquement parce que le premier choix de Churchill s'était tué lors d'un accident d'avion. Et tout le monde ne s'était pas réjoui de son arrivée.
Il avait un tempérament d'ascète. Il ne buvait pas, ne fumait pas, et ça inquiétait ceux qui devaient travailler avec lui, car il se sentait un peu coupable face à un homme comme lui. Lorsqu'il était chef de corps avec le grade de lieutenant-colonel, il s'était retrouvé devant son bataillon au garde-à-vous. Et l'officier commandant la manœuvre lui avait dit « Mon colonel, vous êtes à deux pas de votre place telle que prévue. » Beaucoup se seraient déplacés de deux pas, mais lui a ordonné à son bataillon « Deux pas à droite, marche !» En d'autres termes, ce n'est pas lui qui était au mauvais endroit, c'était tous les autres. Montgomery rendait les gens fous. Il se querellait sans cesse avec les gradés qui lui étaient supérieurs. Il était arrogant, impatient vis-à-vis de ceux qu'il considérait comme des imbéciles. Et presque tout le monde, à part lui, était un imbécile. Une bataille va asseoir sa réputation. Il reprend le commandement de la 8e armée, considérablement ébranlée par les coups du brillant général allemand Rommel. Et sa conviction qu'il battra Rommel stimule ses hommes. Il rassemblait ses hommes autour de lui comme des papillons de nuit autour d'une bougie. Il leur parlait d'homme à homme et il adorait ça. À El Alamein, Montgomery remporte une victoire extraordinaire. Elle lui vaut une réputation qu'il gardera toute sa vie. Son succès a été avant tout le prix de la prudence. Il a ignoré les ordres d'attaque de Churchill et attendu d'avoir rassemblé une puissance de feu exceptionnelle. Et ça a marché. Ça a été le tournant de la guerre. Montgomery est devenu Monty, le héros des Britanniques. On voyait en Monty le sauveur de l'armée britannique. Et quand il est rentré en Angleterre au printemps suivant, il a été accueilli par la foule. Quand il se promenait dans Londres, il y avait du monde autour de son hôtel. S'il allait au théâtre, les gens se levaient et interrompaient la représentation. Il tendait le bras pour toucher ses vêtements. Cet homme avait sauvé l'armée britannique in extremis. Les victoires s'enchaînent alors. En juin 1944, après 2 ans de préparation, Monty dirige le débarquement. Il commande l'ensemble des forces américo-britanniques. Début septembre, les Alliés ont déjà repris la majeure partie de la France et s'enfoncent en Belgique. Pour les Allemands, c'est la débâcle. Monty est alors considéré comme le plus grand cerveau militaire de la Deuxième Guerre mondiale. Le problème quand un commandant devient victorieux, c'est de voir son succès lui monter à la tête. Il ne fait aucun doute qu'il est monté à la tête de Monty. Il s'est pris quasiment pour un prophète de la Bible. Je vous l'ai dit pendant des années, c'est comme ça qu'il faut faire. Je connais le secret du succès. Of course, my business, as you know, is fighting. Fighting the Germans. Oh, anybody else too who wants to have a fight. Mais Monty est à la veille d'affronter le plus grand combat de sa carrière. Pas contre les Allemands, mais contre son nouveau patron. Les Américains constituant la majeure partie des forces alliées, le général Eisenhower décide d'assumer le commandement. Monty est furieux. Eisenhower est un général de salon qui n'a jamais commandé des hommes au combat. Montgomery avait rarement été d'aussi mauvaise humeur. Son orgueil avait été profondément froissé par Eisenhower. Aussi, en septembre 1944, il avait hâte de trouver un moyen de contourner cette espèce de rétrogradation. Il ne commandait plus les forces terrestres pour reprendre, si possible, la direction de la campagne qui conduirait à la victoire. Les armées alliées se massent aux frontières allemandes. Mais où vont-elles entamer l'invasion? Eisenhower veut progresser doucement sur tous les fronts. Monty, lui, veut que toutes les ressources alliées soient rassemblées pour une attaque ciblée qu'il dirigerait.
Son instinct lui souffle que les Alliés doivent saisir l'occasion. C'est l'instant de décision. On peut achever la guerre en 1944 si le commandant en chef prend la bonne décision immédiatement. Et Monty est exaspéré de voir qu'Eisenhower ne se décide pas. Il décide donc de concevoir son propre plan de campagne. Et c'est comme ça que le rêve d'Arnhem prend forme. Si Eisenhower ne veut pas agir, Monty va s'en charger. Il met au point le plan qui mettra un terme à la guerre. Lors d'une attaque surprise, des troupes aéroportées seront parachutées au-delà des lignes ennemies pour s'emparer des ponts qui enjambent le Rhin dans la ville hollandaise d'Arnhem. Pendant ce temps, les blindés traverseront la Hollande à toute vitesse pour les rejoindre. Arnhem est la porte d'entrée de l'Allemagne. Les Alliés s'ouvriront ainsi la route vers Berlin. Le plan, qui repose sur la vitesse et l'effet de surprise, est conçu en quelques jours, ce qui ne ressemble en rien à Montgomery, adepte de la prudence à l'excès. L'opération est baptisée Market Garden. John Waddy, qui a servi sous Monty en Afrique du Nord, doit diriger une des compagnies de parachutistes. Nous avons été étonnés par la hardiesse de cette opération. Notre division allait être larguée à 100 km au-delà des lignes ennemies. Et nous devions recevoir le soutien des blindés, du moins nous l'espérions, au bout de 2 ou 3 jours. La certitude de Monty d'avoir conçu le plan de la victoire persuade Eisenhower d'engager des divisions aéroportées américaines et polonaises pour soutenir la progression des blindés britanniques. Mais il y a un hic. La Royal Air Force refuse catégoriquement de parachuter les troupes au-dessus d'Arnhem. Nous avons été surpris, horrifiés même, d'apprendre que nous allions être largués à 12 kilomètres des ponts. Nous ne comprenions pas pourquoi. On nous a simplement dit qu'il y avait beaucoup de batteries de DCA aux alentours des ponts et que les avions ne pouvaient pas les survoler, pas plus que la ville. Ce qui voulait dire parcourir 12 kilomètres à pied et prendre les ponts. Mais dès qu'ils se poseraient, tout le monde aurait compris que leur objectif, c'était le pont. Au lieu d'insister pour que la RAF se conforme à son plan, Monty reste étonnamment silencieux. La prudence et le souci du détail, ces qualités qui ont fait de lui un grand général à El Alamein et en Normandie, semblent s'être évanouies. Son œil ne regardait pas la balle. Se disait sans arrêt, pourquoi ne suis-je pas commandant des forces alliées dans le nord-ouest de l'Europe? Je peux battre les Allemands. Et il ne prêtait pas suffisamment attention à l'opération militaire en cours, alors que c'était la sienne. Et le pire reste à venir. Les rapports des services de renseignement indiquent que 2 divisions blindées SS sont installées précisément là où les forces aéroportées doivent se poser. Inquiet, Brian Urquhart, l'officier renseignement, envoie une patrouille aérienne pour reconnaître la zone d'atterrissage. Bien sûr, il ne faisait aucun doute qu'il s'agissait d'unités de blindés allemands. J'exagère à peine en disant qu'on pouvait voir leurs insignes. Le sentiment général, c'était que l'opération de Montgomery ne devait pas avoir lieu. La préparation des troupes aéroportées se fait en Angleterre, sous le commandement du général Frederick Boyd Browning. Équipés uniquement d'armes légères, ces hommes n'auront que peu de chances de s'en sortir si les choses tournent mal. Mais d'après Montgomery, la victoire est dans la poche. Ce qui m'a le plus alarmé, c'était l'état d'esprit, non pas tant celui de Browning que celui de son état-major, qui ne cessait, pour parler de cette opération, de dire la fête. Tous se demandaient s'ils devaient emporter leur club de golf. Ils étaient absolument convaincus que les Allemands étaient cuits, et je n'arrivais pas à le croire. Boy Browning a dit, nous allons déposer un tapis de troupes aéroportées en Allemagne. J'ai demandé au chef d'état-major si ce tapis allait être vivant ou mort. Il était furieux. Brian Urquhart n'est qu'un trouble-fête. Browning lui ordonne de rentrer chez lui en permission.
Le 17 septembre 1944, la plus grande invasion aéroportée de l'histoire commence au départ de bases aériennes de tout le sud de l'Angleterre. C'était fantastique. Il y avait quelques 1500 avions et planeurs et 900 chasseurs qui s'étiraient sur une file de plus de 160 km. Trois heures plus tard, ils sont à l'aplomb de la zone de saut, à une douzaine de kilomètres du pont. Dès que je suis sorti de l'avion, il m'a semblé évident qu'il y avait beaucoup d'ennemis, car j'entendais les balles siffler autour de moi. Nous avons perdu plus de 200 hommes avant le début de la bataille. C'est évidemment à ce moment-là qu'on s'est dit que ça se présentait mal. En quelques heures, les Allemands bloquent toutes les grandes routes d'accès à Arnhem. Les troupes britanniques tentent de parvenir au pont, mais elles sont encerclées. Seul un petit bataillon y parvient, mais les renforts blindés du 30e Corps peinent à les rejoindre. Ils avaient reçu l'ordre d'avancer sur une route droite d'une quarantaine de mètres de large, avec des deux côtés des lignes mitrailleuses à partir desquelles les Allemands pouvaient tirer sur les chars Sherman. Ceux-ci avaient surnommé ce véhicule le cuiseur à roast beef. Il prenait feu quand on lui tirait dessus, et il était impossible d'éviter les Allemands. Sur les 10 000 parachutés, seuls 2 000 s'en sortent. Arnhem se solde par un désastre, un pont trop loin. La route de Berlin n'est pas aussi dégagée que ce que tout le monde a cru. Et la guerre que Monty croyait voir s'arrêter aux alentours de Noël va se prolonger encore 6 mois. Bien sûr, Monty ne pouvait admettre que c'était un désastre. Il ne l'a pas fait. Il a toujours affirmé que cette bataille était à 90% un succès. Il a avancé divers pourcentages. Pour un général réputé pour sa prudence excessive, l'opération Market Garden était une aberration. Les obsessions personnelles l'avaient emporté sur les préoccupations militaires. J'imaginais que Montgomery savait ce qu'il faisait. Il ne m'avait jamais effleuré que des gens de ce niveau-là pouvaient faire quoi que ce soit sans une bonne raison. Et ça ne m'avait évidemment jamais effleuré que l'ego, l'ambition ou la vanité pouvaient parfois entrer dans ce genre de considération, ou même la rivalité avec d'autres généraux. Ce qui a perdu Montgomery, c'est la certitude que c'était à lui qu'aurait dû revenir le commandement. Mais là où il avait raison, c'est qu'il fallait, à ce moment de la guerre, engager une action décisive. Un général doit avoir confiance en lui et être certain que sa méthode est la bonne. L'arrogance gagne des batailles. Bien sûr, l'arrogance est une arme à double tranchant. Bien sûr, elle peut vous masquer ce que fait le camp adverse ou vous rendre intransigeant. Mais si vous ne croyez pas en vous, comment pourrez-vous faire partager ce sentiment intime que vous pouvez gagner une guerre à ceux qui vont vous suivre? Tout particulièrement quand un bon nombre de ces gens risquent de mourir. Si l'arrogance est pour un militaire une arme à double tranchant, l'ambition en est une autre. En 1916, lors d'un des épisodes les plus infamants de l'histoire militaire britannique, des dizaines de milliers d'hommes sont envoyés à la mort au nom de la carrière d'un seul. Là-bas, c'est l'Irak, au cœur du Moyen-Orient. En 1915, ce pays s'appelait encore la Mésopotamie et faisait partie de l'Empire ottoman. Cette année-là, Charles Vir Tonsend remonte le Tigre, l'âme remplie d'amertume.
Tonsen est général dans l'armée des Indes. On l'a envoyé surveiller les oléoducs si importants pour les besoins militaires britanniques. Mais pour un homme comme lui, c'est une mauvaise plaisanterie. Un second rôle par rapport à la vraie guerre qui se mène alors en France. Townsend est un des officiers supérieurs les plus incroyablement ambitieux qu'on ait connus. Il n'est jamais satisfait et lorgne sans cesse deux ou trois échelons plus haut. Au début de sa carrière, il a brièvement goûté à la célébrité et à la gloire. En 1895, il a tenu pendant 46 jours, assiégé par des indigènes à Chitral, sur la frontière nord-ouest de l'Inde. Promu au grade de général de division, il a été invité à dîner avec la reine d'Angleterre. Mais au cours des 20 années suivantes, sa carrière s'est enlisée. Et il se retrouve aujourd'hui au milieu de nulle part et au point mort. À moins que... À quelques heures en amont du fleuve se trouve un trophée qui brille de mille feux. Bagdad, aux mains de ses ennemis, les Turcs, alliés de l'Allemagne. Pourrait-il entrer dans cette cité en conquérant, devenir Tonsen de Bagdad? Bagdad était une ville romanesque dont la plupart des Anglais avaient entendu parler. Et le soldat qui entrerait dans Bagdad en conquérant deviendrait très célèbre. Mais le terrain qu'il découvre à son arrivée a de quoi déprimer n'importe quel commandant. La Mésopotamie est un théâtre d'opération particulièrement difficile. Il n'y a ni route, ni voie de chemin de fer au sud de Bagdad. On ne peut donc pas transporter de grandes quantités d'hommes et de ravitaillement rapidement. Il faut emprunter la rivière. Or, les Britanniques n'avaient que très peu de bateaux à vapeur. Faisant fi de ces problèmes, Tonsen commence à remonter le Tigre. 640 km le séparent de Bagdad. Les unes après les autres, les villes fluviales capitulent, grâce au génie militaire de Tonsen, à l'incompétence de l'ennemi et à la chance. En déroute, l'armée turque se replie. La progression est spectaculaire. Très hardi, très imaginative. Et en 1915, on n'enregistre aucun succès aussi spectaculaire ailleurs. Du jour au lendemain, Townsend devient ainsi le petit prodige britannique. Faire la une l'incite à continuer sans relâche son avance vers Bagdad. Toujours plus loin dans la chaleur et le néant. Et toujours plus loin de ses ravitaillements. Mais à Ctésiphon, à seulement 26 km de Bagdad, c'est la fin des victoires faciles. Le centre du champ de bataille de Ctésiphon, c'est l'Arche. Elle revêt une importance immense aux yeux de Townsend, cet ancien étudiant en histoire militaire, car elle marque l'extrémité de l'Empire romain. Mais ici, aux portes du monde classique, les Turcs sont prêts. Ils attendent. Les Britanniques sont fauchés par l'artillerie turque. Townsend n'a ni réserve, ni ravitaillement. Qui plus est, 30 000 Turcs sont en train d'arriver en renfort. Si près de Bagdad, et pourtant si loin. Tonsen, poursuivi par ses ennemis, entame une longue retraite le long du Tigre. La retraite de la bataille de Ctésiphon fait voler en éclats le rêve de Townsend d'entrer glorieusement dans Bagdad. La campagne de Mésopotamie risque de se transformer en déconfiture. Que faire en pareille circonstance? Un siège héroïque pourrait faire l'affaire pour se retrouver à nouveau à la une.
Il le savait depuis Chitral, qui avait fait les gros titres. Mais plus récemment, depuis le siège de Mafeking, qui avait assis la réputation de Baden-Powell et popularisé son nom. Et la levée du siège avait suscité une joie immense. Townsend ordonne le repli de ses troupes épuisées sur Kout, une ville fluviale qu'il a prise aux Turcs quelques semaines plus tôt. Il installe son quartier général dans cette maison. Il estime qu'il ne peut pas perdre. Le gouvernement britannique va devoir envoyer une force de renfort, et à son arrivée, elle se retrouvera sous son commandement. Il sera promu et pourra reprendre sa marche sur Bagdad. Le siège sera bref, glorieux pour Townsend, mais moins pour ceux qu'il y commandera. L'attitude de Townsend vis-à-vis de ses hommes est complètement dénuée d'attention. On le voit aux privilèges constants liés au grade, bonne nourriture, bons alcools, et à l'utilisation étonnamment égoïste des durées de transmission radio. Ses hommes ne reçoivent ni messages ni courriers. Mais Townsend, lui, envoie d'innombrables messages à ses amis londoniens. Townsend demande par radio à la force de secours d'arriver au plus vite. Par une étrange coïncidence, l'homme chargé de venir dégager le vaillant général n'est autre que Sir Aylmer, celui-là même qui est venu le sortir de Chitral 20 ans plus tôt. Townsend l'exhorte à arriver au plus vite, car il commence à manquer de nourriture. Mais les Turcs ont encerclé la ville. 23 000 hommes de la force de secours périront en essayant vainement d'entrer dans Kout. Townsend accuse Aylmer de ne pas faire assez d'efforts. Aylmer pressent, non sans raison, qu'on l'a poussé à attaquer en étant insuffisamment préparé et avec des forces trop réduites, précisément parce que Townsend avait crié au loup. Il n'y a en fait aucun risque de famine. Townsend a envoyé des rapports erronés. Quand le haut commandement lui suggère de se battre pour sortir de Kout, il lâche le morceau. Il décide alors de dire à ses supérieurs qu'il a bien plus de ravitaillement que ce qu'il leur avait laissé croire. Ne serait-ce pas une bonne idée si les secours étaient plus méthodiques? Il n'a peut-être pas intérêt de tenter une sortie hasardeuse. Et il devient évident au fil des mois, alors que les secours n'arrivent toujours pas, que Townsend est frustré de voir sa carrière passer au second plan. La nomination du général de division George Gorringe, un de ses rivaux, au grade de général de corps d'armée dans les derniers mois du siège, l'agace au plus haut point. Il éclate en sanglots et pleure sur l'épaule d'un de ses officiers. Ça n'est pas un comportement normal pour un général britannique. Au bout de 4 mois, les troupes britanniques sont vraiment menacées par la famine. À la fin du siège, la vie des soldats dans Kout est horrible. Ils ont tellement besoin de nourriture que certains mangent de l'herbe. Le général de brigade Houghton, un des commandants de brigade, meurt à force de manger de l'herbe. Le lobbying acharné de Townsend pour faire avancer sa carrière et sa promotion, qui est extraordinaire compte tenu de la situation dans laquelle il se trouve, montre qu'il n'a sans doute pas compris que ce n'était pas son avancement qui était en jeu, mais sa carrière elle-même. Après 5 mois dans Kout, Townsend quitte son quartier général pour la dernière fois. Il n'y aura pas d'autres colonnes de renfort. Le plus long siège de l'histoire britannique s'achève non pas dans la gloire, mais par une reddition. Les Turcs accordent à leurs prisonniers les honneurs militaires et un billet de train en première classe pour rallier Constantinople.
Townsend y va sans un regard en arrière. Il est hébergé dans un petit palais, joui de toute sa liberté. Il a même un petit yacht et quelques domestiques à sa disposition. Et il évolue dans la fine fleur de la société turque. Ces hommes, eux, ont droit à un traitement bien différent. Quelques 13 000 hommes et civils furent emmenés en captivité, que l'on ne peut que qualifier d'atroce. Their captivity can only be described as horrendous. 60% des prisonniers britanniques périrent, ainsi que 30% des Indiens et des civils les accompagnant. Au total, ce sont 40 000 hommes qui auront été sacrifiés sur l'autel d'une ambition obsessionnelle. Townsend ne s'est jamais soucié d'eux. Il s'en moquait. Il n'obtint plus jamais de poste à responsabilité. La première fois que je l'ai vu, je suis tombé follement amoureux. Il avait une magnificence que je ne connaissais pas. C'était un homme qui méprisait des présidents, qui avait rencontré des rois et des reines. Et nous sentions tous que plus nous le glorifierions, plus nous serions nous-mêmes glorifiés. Nous étions comme les disciples d'un Christ. Je me souviens qu'une fois, avant de poser son courrier devant lui, sur son bureau, j'ai vu une carte et je l'ai lue. Elle venait de son pilote et disait « À celui qui marche et parle avec Dieu ». Je me suis dit « Dieu du ciel ». C'était son propre pilote qui le lui avait écrit. Nous tous, faibles mortels, sommes tout simplement écrasés par quelqu'un aussi fermement convaincu qu'il a raison. L'arrogance et l'ambition ont conduit à leur perte certains des meilleurs généraux. Mais la vanité peut être tout aussi fatale. En songeant à sa propre postérité, un général a passé un accord avec les autorités de la ville de Norfolk, en Virginie. Il aurait une tombe digne d'un président, et la ville attirerait des touristes, des pèlerins, qui viendraient se recueillir sur ce mémorial. Voici une peinture murale du général MacArthur lors de la Première Guerre mondiale. Pourquoi ne porte-t-il pas de casque? Le général MacArthur ne faisait pas toujours ce qu'il aurait dû. Douglas MacArthur fut le général le plus controversé du XXe siècle, un héros américain qui conduisit le monde au bord de la guerre nucléaire. On attend beaucoup de lui, car il est le fils d'un héros de la guerre de Sécession. À West Point, l'académie militaire américaine, il se forge une réputation de spécialiste du mélodrame. Il avait été surnommé Sarah Bernhardt, car ses contemporains avaient repéré un petit quelque chose de féminin en lui. Il était très lunatique et dissimulait un sentiment d'insécurité qui lui venait, je pense, du fait qu'il était constamment égocentrique et théâtral. Sa mère était très dominatrice. Quand il est entré à West Point, elle a pris une chambre d'hôtel qui donnait sur sa chambre à lui. Et elle savait, en voyant la lumière allumée, qu'il était bien en train de travailler. Elle a passé 4 ans assise dans sa chambre d'hôtel à surveiller son fils. Malgré sa mère, ou peut-être grâce à elle, MacArthur fait des prouesses à West Point et va ensuite se distinguer sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale. Il devient l'officier le plus décoré de l'armée américaine. Dans les années 30, il est affecté à Washington et se retrouve quotidiennement au contact de la presse. La plupart des institutions américaines avaient assimilé l'existence de ce qu'on appelait les relations publiques et la réclame. MacArthur était affecté au service d'information et de relations publiques de l'armée de terre américaine.
Il avait la responsabilité d'informer les journalistes sur les événements militaires, et c'est ce qui lui a donné l'idée qu'on pouvait créer sa propre réalité en étant simplement persuasif. C'est en 1942 qu'il va devenir un héros national. Aux Philippines, il est commandant des forces américaines en Extrême-Orient, qui se trouvent en première ligne dans le combat contre le Japon. Et les choses vont mal. Pearl Harbor aurait dû lui servir d'avertissement. Pourtant, 9 heures plus tard, ses forces aériennes sont décimées, car elles sont posées au beau milieu des aérodromes. Puis c'est l'invasion japonaise. Pour empêcher la capture de MacArthur, Washington lui ordonne de quitter la zone. Il s'exécute, abandonnant son armée sous les quolibets des Japonais qui le traitent de lâche. Ça a été terrible pour MacArthur. Il a été humilié. Franklin Roosevelt lui a remis la Medal of Honor, la médaille d'honneur, et est ainsi en partie responsable d'avoir créé ce monstre à la Frankenstein dont il n'a plus pu se débarrasser. Le général transforme cette défaite en victoire grâce à son utilisation de la presse, présentant l'image non pas d'un échec, mais d'un esprit indomptable. To the people of the Philippines whence I came, I shall return. La MacArthur Mania déferle sur les États-Unis. C'était un manipulateur de la presse hors pair. Il disait « mon armée de terre, ma marine, mon aviation ». Il rechignait beaucoup à accorder un quelconque crédit à d'autres. Et quand des journalistes ne le décrivaient pas comme lui le souhaitait, il se débarrassait d'eux. La mise en scène du retour de MacArthur aux Philippines deviendra une des images les plus célèbres de la Deuxième Guerre mondiale. Rien ne l'arrête, et c'est lui qu'on choisit pour présider la cérémonie mettant symboliquement fin au conflit, la reddition japonaise. Sur cette peinture murale, vous voyez la signature du traité de reddition. Voici le général MacArthur. Il devient dès lors le maître absolu du Japon, un empereur bis chargé de reconstruire le pays. Les MacArthur deviennent l'équivalent de la famille royale et ne répondent de rien à personne. Aucun Américain n'a jamais joui d'un tel pouvoir. Il devient une sorte de proconsul impérial au Japon. Il dirige le pays et s'entoure d'une garde prétorienne, la police militaire, qui fait dégager les gens dès qu'il arrive. Il devient, je pense, totalement imbu de ce pouvoir et de l'amour de sa propre image. Nous entrons maintenant dans la galerie coréenne. C'est en Corée que la guerre froide est devenue chaude. Cette guerre a commencé le 25 juin 1950, lorsque la Corée du Nord a envahi la Corée du Sud. MacArthur reçoit un appel au Japon. Il doit repousser l'invasion communiste. Il commandera un corps expéditionnaire sous l'égide des Nations Unies. À 70 ans, avec ses 5 étoiles, il est plus gradé que ses supérieurs à Washington. En Corée, l'Amérique veut montrer sa résolution contre le communisme. Elle va le refouler, le punir, mais aussi elle va lui permettre d'asseoir sa réputation, comme pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais MacArthur fait bientôt montre des violents changements d'humeur qui ont caractérisé toute sa vie. À un certain moment, il a déclaré presque de manière légère qu'il pouvait vaincre les Nord-Coréens avec une main attachée dans le dos. Un ou deux jours plus tard, il a dit être désespéré devant l'effondrement de l'armée sud-coréenne et craindre que les lignes de défense américaines soient repoussées jusqu'en Californie. Ces craintes semblent se justifier lorsqu'en septembre, l'armée du Nord a envahi la quasi-totalité de la Corée du Sud. Mais MacArthur a un plan audacieux et inventif. Faire débarquer une force importante à 320 km derrière les lignes ennemies, dans une zone boueuse et déserte, nommée Incheon. In
Étonnamment, le débarquement d'Incheon, malgré les dangers liés à la marée haute, aux incertitudes et à la boue, n'a rencontré aucune résistance. Les Américains ont débarqué presque sans enregistrer de pertes. Ça a prouvé à beaucoup, et surtout à MacArthur, son génie de stratège. Comme l'a dit Omar Bradley, le président des chefs de l'état-major interarmé, après Incheon, il était presque impossible de mettre en question ce que faisait MacArthur. Dès lors, les Nord-Coréens sont en déroute. Et MacArthur est résolu à leur donner la chasse où qu'elle puisse le mener. Bientôt, les Américains arrivent en vue de la frontière chinoise. Les Chinois commencent à se faire entendre, ce qui ne fait qu'encourager MacArthur. Comme il l'a dit à un ami, je ne sais pas si les Chinois vont entrer en guerre en Corée. Mais je prie à genoux tous les soirs pour qu'ils le fassent, pour obtenir la victoire dont l'Amérique a besoin. Amérique est ici synonyme de MacArthur. Mais la dernière chose dont l'Amérique a besoin, c'est bien d'une guerre contre la Chine. Inquiet, le président Truman exige de MacArthur qu'il vienne s'expliquer. MacArthur refuse. Le président doit donc s'envoler pour l'Extrême-Orient pour aller taper sur les doigts de son commandant rebelle. Truman voulait des assurances quant au fait que la guerre touchait à sa fin, et MacArthur les lui a données. Il pouvait facilement prendre en main une éventuelle intervention chinoise, à laquelle il s'attendait, et il n'y avait pas de raison de s'inquiéter, car la guerre devait être terminée à Noël. En privé, ils se sont méprisés mutuellement. Truman parlait de ce vantard de général qui ne le saluait pas correctement, qui portait des uniformes sales et une casquette froissée. MacArthur parlait de son côté de l'ignorance et de l'incompétence de Truman. Et chacun d'eux, bien qu'ils aient affirmé en public partager le même point de vue, éprouvait pour l'autre un mépris confinant à la haine. L'arrogance de MacArthur ne se limite pas à sa façon de traiter son président. Il est tout aussi méprisant à l'égard des Chinois et de leur chef Mao Tse-tung. Et les Chinois vont s'en servir à leur avantage. MacArthur était arrogant. Et Mao pensait que c'était quelque chose de très important pour le succès d'un chef militaire. Mais que d'un autre côté, l'arrogance peut aussi aveugler un chef. De plus, ce n'était pas l'hostilité de MacArthur à l'égard des Chinois qui mettait Mao en colère, mais son dédain, son ignorance des intentions chinoises vis-à-vis d'une éventuelle intervention. Et Mao a donc dit, vous ne nous avez pas pris au sérieux, je vais donc vous forcer à le faire. MacArthur ignore les avertissements indiquant que 200 000 Chinois font route vers la frontière pour rejoindre le fleuve Yalu, alors gelé. Après tout, il n'y a aucun signe de leur présence. Leur intention était de dissimuler des forces communistes dans les montagnes, d'inciter l'ennemi à avancer et de l'attirer dans un piège. Et le piège fonctionne. Soudain, près de 400 000 Chinois descendent des collines. La 8e armée américaine perd 11 000 hommes dans les premiers jours. Face à une défaite certaine, elle entame une retraite désordonnée de 480 km, la plus longue de l'histoire militaire américaine. MacArthur commence alors à envoyer des télégrammes qui font froid dans le dos au chef de l'état-major interarmé. Les hordes chinoises s'infiltrent en Corée du Nord. Si on ne m'autorise pas à bombarder tout ce qui bouge à la frontière sino-nord-coréenne, mon commandement risque d'être détruit. La guerre est devenue personnelle. La stratégie s'est réduite à une crise de colère. Pas de politique nationale, pas d'objectif à l'échelle de la guerre froide, mais une revanche contre les généraux chinois qui l'ont fait passer pour un imbécile. MacArthur se met à prôner l'utilisation de l'arme nucléaire.
La guerre s'était stabilisée, les troupes américaines n'étaient pas en danger. Mais MacArthur a dressé la liste de 21 sites à bombarder à l'arme atomique en Chine. Il allait bombarder des villes chinoises, mettre en place un blocus naval. De toute évidence, il voulait aller vers une escalade et entamer une nouvelle guerre contre la Chine. Mais Truman ne veut pas être à l'origine de la Troisième Guerre mondiale. Il envoie des signes d'apaisement aux Chinois, offrant de retirer ses troupes en deçà de la frontière sud-coréenne. La situation est des plus délicates. À la plus grande horreur d'Harry Truman, le 24 mars, la veille presque du jour où il devait présenter sa proposition aux Chinois, MacArthur déclare lors d'une conférence de presse que les Chinois ont montré en Corée une médiocre armée de barbares, qu'ils n'ont pas réussi à conquérir la Corée, et il leur donne une dernière chance de se rendre personnellement à lui. En cas de refus, il se sentira libre de donner l'ordre à la marine et à l'armée de l'air de bombarder le territoire chinois. Dès lors, Truman commence à écrire dans son journal que le grand général d'Extrême-Orient doit être relevé et qu'il est grand temps de le faire. The storm which has been brewing between Washington and General MacArthur finally breaks with the news that the Supreme Commander has been dismissed by President Truman. I believe that we must try to limit the war to Korea and to prevent a third world war. A number of events have made it evident that General MacArthur did not agree with that policy. MacArthur est le premier général à être relevé de ses fonctions par un président américain. Vanité, fierté et arrogance ont conduit cet homme à croire qu'il était un meilleur gardien de la sécurité nationale que le chef d'État élu. Il était pourtant d'un avis radicalement différent dans les années 30. I invite attention to the obvious fact that the soldier does not declare war. Our Congress alone has that responsibility and power. Our army is maintained solely for the preservation of peace. En avril 1951, MacArthur rentre aux États-Unis après 15 ans d'absence. Le général obstiné reçoit l'accueil le plus triomphal de l'histoire américaine. Just about everybody is out today, an estimated 7.5 million men, women and children. MacArthur reste le héros des Américains. Les héros sont nécessaires au sens militaire du terme, car les gens ont besoin de quelqu'un à suivre, quelqu'un en qui ils vont croire, quelqu'un qui va leur faire traverser les dangers jusqu'à la victoire. Le problème apparaît lorsque cet homme est entouré par un état-major qui ne discute plus ses décisions, par des journalistes qu'il manipule et dont les articles traduisent l'adulation, car cet homme se met alors à croire qu'il est invincible, qu'il est Dieu et qu'il réussira toujours. Les Romains avaient un moyen intéressant de traiter ça. Lors du triomphe de chaque général à Rome, sur le chariot suivant celui du vainqueur, il y avait toujours un esclave qui murmurait à son oreille « Souviens-toi que tu es mortel ».